Ce traité est dangereux. Ce traité porte atteinte potentiellement aux libertés publiques et aux droits fondamentaux des Européens. Par la réglementation du web, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la protection de nos données personnelles, la protection de notre vie privée qui est aujourd'hui concernée. Mais c'est aussi ce traité, en organisant les brevets et en allant au-delà de la contrefaçon. ACTA, on n'en veut pas. Parce que ça risque de limiter l'utilisation de tous les médicaments génériques qui peuvent soigner les gens à des coûts qui sont peu importants. Selon ACTA, un traité qui a été négocié dans les pires conditions, sans la société, sans démocratie. Et puis, la liberté de nos paysans de cultiver ce qu'ils veulent, de cultiver sain. Et ça concerne aussi tous les pays en voie de développement. ACTA est une menace contre nos libertés fondamentales. Il faut protéger, récompenser la création, l'innovation. Il faut acter qu'ACTA, c'est fini. Donc maintenant, remettons ACTA dans nos tiroirs et développons vraiment une vraie négociation sur les régulations nécessaires sur la contrefaçon. Mais la contrefaçon ou Internet, ce sont deux choses différentes. Avec d'autres, nous empêcherons ce texte de passer la barrière du Parlement européen. ACTA, on n'en veut pas. ACTA, non merci. ACTA ne passera pas par le Parlement européen. Dégage, ACTA. ACTA, on n'en veut pas. ACTA, non merci. ACTA, non merci. ACTA, non merci. ACTA, c'est non. La liberté, c'est oui. C'est pas le monde qu'on veut pour demain. Et c'est la raison principale pour laquelle, avec les citoyens, pour les citoyens, pour défendre leurs droits et leurs libertés, nous disons non à ACTA.